maire, monsieur l'administrateur, chers amis, quel plaisir de vous retrouver après cette cérémonie à la mémoire du roi Louis XVI qui nous a réunis si nombreux dans l'émotion et le souvenir. Je commencerai par vous souhaiter une bonne et heureuse année pour vous, les vôtres, vos familles, vos enfants. Mais ces vœux, je les adresse aussi plus largement à la France tout entière et aux Français. Je pense notamment à tous ceux qui se trouvent confrontés à des situations douloureuses de tout ordre. Beaucoup de nos contemporains souffrent, doutent, parfois sont désenchantés. Mes pensées vont vers eux. Depuis des années, dans mes interventions publiques, j'ai rappelé qu'il ne s'agit pas pour nous d'être des nostalgiques, mais d'être des artisans du futur. Les exemples des grandes figures de la royauté vont dans ce sens. C'est à cela que sert la mémoire. Louis XVI, que nous venons d'honorer à travers cette belle cérémonie, nous y convie. Mais en 2014, un autre roi nous y aidera aussi. Louis IX, Saint-Louis, dont nous commémorons le 800e anniversaire de la naissance, survenu en 1214, la même année que Bouvines. Saint-Louis, par l'exemple de son œuvre et sa vie, laisse une fondation solide sur laquelle il est toujours possible de construire. Son œuvre a été celle d'un roi qui a permis à la couronne de retrouver sa souveraineté face aux grands féodaux. Celle d'un roi qui a été habité par les valeurs chrétiennes pour réformer la justice et les institutions. Il a montré ainsi que l'éthique était au cœur de l'action politique. Voilà des principes encore bien actuels. Si actuels que s'ils ne sont pas rappelés d'abord, puis remis au centre de l'action, notre société continuera à être instable et fragile. Mais aujourd'hui, que représentons-nous? Que souhaitons-nous? À quoi sert de s'inscrire dans une tradition millénaire? Cela n'a vraiment de sens que si nous voulons apporter quelque chose à la société. Or, la société contemporaine est en pleine mutation. Je pense qu'elle a besoin de ce que la tradition représente et peut encore lui apporter. Souvent, on me demande si je suis prêt à reprendre la place que la tradition donne à l'aîné des Bourbons. Je réponds toujours à cela, comme mon père l'a fait avant moi, que notre position est d'une nature différente. Nos droits sont incontestables et viennent du fond des âges, et ils reposent sur cette union entre une dynastie et un peuple. Nous assumons ces droits en restant disponibles. Cette union a permis au royaume de France de se constituer peu à peu, du petit domaine entourant Paris jusqu'aux frontières actuelles que Louis XVI s'évertuait à ouvrir au monde avec la Pérouse et les combats menés en Amérique contre l'Angleterre. Tel est le miracle capétien, celui de la France aussi. La France a progressé dans le cadre de la royauté dont les institutions reposaient sur la défense des faibles et sur les valeurs héritées du message chrétien, dont la première est le bien commun. Saint-Louis en a été le modèle que ses descendants ont suivi. Le successeur légitime des rois de France doit conserver intact cet héritage, précieux trésor pour l'avenir. Ces valeurs ont fait leur preuve puisqu'elles ont permis à notre pays d'être gouvernés et ne progresser durant 8 siècles. Ce sont elles encore qui ont animé, génération après génération, les meilleurs de ses enfants. Cette permanence montre combien elles sont justes. Ce bien commun passe par l'unité nécessaire contre toutes les féodalités et les individualités qui veulent toujours s'imposer et imposer leurs lois. Ce bien commun est aussi inspiré pour le souci de la justice et du progrès social reposant sur la réalité et non l'idéalisme. Devant les interrogations de notre génération actuelle, face aux erreurs passées, nous voyons bien
que nous aspirons à un renouveau. Le pape François agit dans le même esprit en dénonçant avec vigueur les dérives de toutes sortes, notamment éthiques, qui désagrègent notre société. Dans cette quête de renouveau et de sens, les jeunes se mobilisent. Ils retrouvent, faisant preuve d'une étonnante clairvoyance, le vrai, le juste et le beau. Ils l'expriment à leur manière et notamment à l'aide de tous les nouveaux modes de communication. J'y vois un message d'avenir. La ténacité de ceux qui ne furent d'abord que des sentinelles, des veilleurs, est assez puissante pour, peu à peu, amener des changements législatifs majeurs comme l'Espagne nous montre actuellement l'exemple. Nous savons que nous pouvons compter sur la puissance de la tradition et de ses réussites. La force de la royauté a toujours été de savoir s'adapter aux évolutions tant que celles-ci avaient pour finalité le bien de l'homme créé à l'image de Dieu. Cette vérité du siècle de Saint-Louis, qui fut encore celle des grandes réformes du XVIIIe siècle initiées par les rois Louis XV et Louis XVI, et que la Révolution est devenue détournée, demeure actuelle. Saurons-nous l'entendre et la mettre en œuvre? Ce message est celui du présent et de l'avenir. Fidèle à la tradition royale française, je le porte, me sachant soutenu par l'exemple de mes ancêtres et par l'espoir qui vous anime. Merci.